pourquoi y aller, parce qu'Élodie est quand même une caviste assez hors pair. Elle déguste tous ses vins, qu'elle cherche vraiment des petits vignerons qui font proprement leur vin, joliment leur vin, des amoureux de leur métier, des gens passionnés comme elle. Toujours des petites fantaisies, des choses inhabituelles. Petit prix, pas petit prix, et on est toujours heureux de déguster ces vins. Le nom de la boutique, déjà, c'est un argument pour venir. Ensuite, la personnalité d'Élodie, quelqu'un de passionné par son métier, qui donne plein de bons conseils, qui connaît très très bien tous ses vins. C'est pas le cas de tous les cavistes. Elle parle de ses vins avec beaucoup d'amour et de passion. C'est vraiment des vins très très bien sélectionnés, à la fois de très bonne qualité et surtout assez originaux. Si on cherche des vins atypiques, c'est là qu'il faut venir. Même pour celui qui vient régulièrement, ici, il y a toujours une surprise. C'est avant tout un endroit tenu par une personnalité. Il y a des produits, c'est sûr. Il y a une sélection avec un angle très particulier. Mettre en avant le travail des femmes à travers le vin. Et n'oublions pas quand même que Élodie, malgré tout, a un petit cœur militante qui fait que, oui, la place des femmes dans la société n'est pas évidente, et encore moins dans l'univers des vins, qui est un univers très machiste et très phallique. Oh, une boule d'énergie, je dirais, de fantaisie et d'énergie. Humanité, joie de vivre. Culture, humour, passion. Une atypique. Voilà.